Et bonjour à tous, c'est Blacky, et nous sommes ici pour l'épisode 2 de mon aventure sur Amnesia The Dark Descent. Alors, continuez. Donc là, je vais pas pouvoir parler trop fort, parce que bon, j'ai du monde chez moi. J'essaie de tout faire pour que ça ne s'entende pas, pardon. Je sais pas si j'ai une bonne voix, je sais pas si vous allez m'entendre respirer, j'ai pas pu faire de test audio auparavant parce que mon PC est baybug, malheureusement. Et l'écran de chargement, vous ne voyez pas, je ne sais pas pourquoi. Mais bon. Alors là, je vais vous commenter la luminosité parce que dans l'épisode 1, il y a eu un problème de luminosité. Donc ben, moi, ça va me poser des problèmes, mais bon. Graphisme, gamma, on va augmenter le gamma. Vous devriez mieux voir le jeu quand même là. Bon, oula. Bug. Donc je lance mon chrono. Hop. Et voilà. Bon. Morceau de verre. Il se recasse le moteur de verre ou pas? Ah non. C'est quoi? Oh! Yay! Tant d'abord, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là? Ah, j'ai trouvé. Attends, moi, faut que je fasse gaffe à mon huile. J'active juste là, mais faut que je fasse attention sinon. Bestioles. Hall d'entrée. Donc là, je vous lis le truc, même si vous le voyez pas. Voyager vers Dover supposait un passage par Canterbury. Il s'assurait d'y rendre une visite, à sa famille pour éviter de se sentir coupable. Heureusement que je me suis souvenu du truc. Pourquoi maintenez ma gauche tout en vous déplaçant? Merci, je sais. Je l'utiliserai déjà, je pense, assez quand il y aura des ennemis. Alexander, is it inside the castle? Oula. In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... What did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. J'ai pas envie de l'ouvrir. In fact, it bon. Lies beneath the very stone of Brennenburg. What is this? C'est résistant et flexible, ça ne peut être cassé ni à la main ni avec des outils. Memento. L'espèce de tissu organique bloque l'accès à la raffinerie. Est-ce qu'ils peuvent être dissous? Possible. Bon. Regardez, on va jouer à la pétanque. Ah merde. Je suis pas doué à la pétanque. Hop. Ouais bon. On va aller fouiller là-bas. Ah, un coffre. Ah, de l'huile. Boîte d'amadou. Chaise, crase le rat. Chaise, crase le rat. Chaise, crase les bestioles. Je vais les écraser moi-même. Non, ça marche pas. Livre. Crase les bestioles. Vase, écrase. De l'huile. Nickel. Elle est pas ouvrable cette porte. Oh. What the? D'accord. Bon. Pff, je parle pas parce que je flippe.
Laboratoire. Les autres enfants l'encourageaient, il criait son nom de plus en plus rapidement, l'encourageant à le faire. Est-ce que je vais vraiment le faire? Le jeune garçon pensa et frappa ensuite sa victime avec une pierre. Voilà ce qu'il y a marqué sur le truc. Ils font vraiment des choses bizarres. What the? Léger mal de tête. Ah! Ah. Oh, oh, oh putain les gens, je vous jure ce jeu je le déteste. Je flippe un truc de fou. Pas des cadeaux là? Pas des cadeaux? S'il y a un cadeau là. Moi je veux des cadeaux. C'est quoi ça? Ça marche sur ma visu. Cramé. La tête est au bord de l'explosion, les mains tremblent. Oula. Calme-toi. Allez, j'ai mal de tête, voilà, ça va mieux. Un coffre. Boîte d'Amadou. Qu'est-ce combien de temps? 4 minutes. Ouais, on va faire un petit peu plus. On va faire aller environ 2 minutes de plus. On va être gentil. Oula! Il devrait y avoir plus de cuprites. There should be more cuprites. Flacon chimique. And one part aquaforce. What the... D'accord. Donc je fais une petite coupure pour lire ça. Et je vous dis après. A tout de suite. Re les amis, donc je viens de finir de lire en fait. Il parlait de l'alchimie, enfin de d'un truc qu'il a essayé de faire. Mais que ça a donné de l'acide. Donc on a la recette de ce qu'on doit faire pour enlever le tissu organique. Il y a quelque chose dedans. Boîte d'Amadou. C'est quoi ça? What the? Un jour je reviendrai, ce n'était pas pour toi mon amour, je ne pourrai pas continuer. Quand je dois faire des choses terribles, je pense à toi pour me réconforter. Tant que je peux penser à toi, espérer une vie à deux, je sais que je suis bien meilleur que les autres, je pleure pour eux. Ils ont une ambition sans limite dans leur quête du pouvoir, alors que moi je ne veux qu'un jugement qui soit juste et un retour assuré. Fais des choses bizarres. Fais des choses bizarres. Cadeau. De l'huile. Le manque d'une cheminée pour permettre la bonne ventilation de la fumée issue de mes récentes expériences a altéré mes ingrédients les plus instables que j'avais en stock. Certains ne semblent pas être affectés, mais beaucoup sont souillés par les vapeurs et sont difficiles à récupérer. Je vais voir ce que je peux faire et les déplacer dans la cave à vin. Bon, d'accord, on sait où ils sont. Memento. Deux ingrédients chimiques ont été déplacés du laboratoire à la cave à vin. Les preuves dans le laboratoire ont révélé que la combinaison des quatre produits chimiques peut créer un acide puissant. Vous voyez.
Attends, il y a pas des cadeaux là-bas? C'est possible. Ah, tu vois qu'il y en a un cadeau. Là, il y a pas un cadeau là. Tu veux des cadeaux? Non, il y a pas des cadeaux. Je trouve plein de cadeaux. Bon, je suis rassuré, je peux remonter. Donc je vous accorde 2 minutes de plus, mais c'est tout ce que je peux faire parce que je flippe comme un gros taré. Ouah. Oh non. Pas par là. Cave à 20. C'est fermé à clé et ça ne peut s'ouvrir sans. Trouver la clé de la cave à 20. Bon, je vais rien dire. C'est un peu normal qu'il faut trouver la clé, non? Enfin, je sais pas, mais... Bon. Ah, il y a une porte là-bas. Quelque chose de marqué ici. Archive. Non, écoutez, on va se laisser là, les amis. Hein. De toute façon, il reste 1 minute. Excusez-moi. Hop. Donc voilà, c'était Blacky White pour l'épisode 2 de notre aventure sur Amnesia The Dark Descent. A plus les amis.